Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom de l'épisode de Robocraft, un épisode où il y a donc eu normalement la nouvelle mage. Donc écoutez, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner. On va dans Edit Robot. Hop, je pense qu'on va avoir besoin. D'accord. Jusque là rien de bien nouveau, je m'attendais à un truc genre une... Attention, vous venez d'ajouter une autre... Ah, les skis ont été modifiés, j'ai l'impression, légèrement. Bon, rien au niveau d'ici. Je vois pas les fameux modules ici, en tout cas. Peut-être dans spécial. Ah, disque shield module. Mais bien sûr. Alors, ça fait 10 millions le module. Ok. Ça met dans l'ambiance. Bon, ça, c'est pas très très grave. Est-ce qu'il y a autre chose qui a été ajouté? J'en ai pas l'impression. Bon. Nous, de notre côté, on a quand même quelques petits trucs, chers amis, de ce côté-là. J'aimerais les retrouver. Voilà. Humble Bundle. Allez-y. Vous faites le bonheur de personnes qui sont dans le besoin, chers amis. Hop, voilà, je le mets. Ça lui fait une espèce de chevelure, en plus, je trouve ça stylé. Ok. Je peux même peut-être même en rajouter d'autres. Voilà. Ok, bon, et donc imaginons sur un robot lambda, imaginons celui-ci je crois, non il est déjà à 1500, celui-ci, imaginons, voilà. Je veux y rajouter, on va tester, on teste, chers amis, on est là pour tester. Hein. On est là pour tester, je veux y rajouter, imaginons. Peut-être pas le meilleur choix, hein. Je sais plus combien qu'ils prennent. 300 flops. Ah, c'est peut-être faisable, attendez. Ok, attendez. Où est-ce que ça touche? Haha. Ça touche partout. Ça touche partout. Ok, donc non, pas cela. Alors, on va essayer autre chose. Imaginons que je veux y rajouter, moi... Tiens. Hop. Pourquoi il veut pas? Apparemment parce qu'il y a le... D'accord. Et donc, je peux en rajouter un en deux. Ok, donc c'est fonctionnel. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Je dois reconnaître que là... j'ai peur que ça pourrisse un peu le gameplay. Je l'ai déjà dit, hein, chers amis, mais... Essayons quelque chose. Essayons autre chose. Hop. Essayons autre chose. Hop. Ça touche quoi ici? Ça touche que celle du centre. Donc imaginons que je rajoute ça. Ça passe aussi, incroyable. Ok, allons faire un test. Ah, parce qu'apparemment en plus les différentes armes ont changé. Donc on va essayer d'aller les tester un petit peu tous ensemble, chers amis. Tant pis, ça ne fait pas une partie qui ne nous rapporte pas des crédits. On verra bien ce que ça va donner. Alors. Ok. Ça recharge. Alors, maintenant, il semblerait que ce soit des projectiles et plus des lasers instant. Vous vous rappelez, avant, on pouvait viser directement un ennemi en plein vol. Et si on tirait, cet ennemi produisait des dégâts sur le hitscan, en fait. Excusez-moi. Ça s'appelle donc un hitscan. Et donc, normalement, maintenant... Effectivement, on voit bien le laser partir, vous voyez. On voit bien le tir partir. Mais je peux tirer autant de fois que je veux. D'accord, et je perds en précision, d'accord. D'accord, pourquoi pas. C'est intéressant, j'aime bien. Et donc imaginons que je... D'accord, regardez. Là, tous mes canons sont mobiles au niveau du commande des snipers. Et hop, et là si je passe hop, aux tourelles, seuls ceux qui sont ici sont mobiles. D'accord, et là aussi on voit que c'est du hitscan. D'accord, c'est intéressant. Ça me plaît. J'imagine qu'en étant en test, c'est plus rapide si on peut pas... Ouais, ça doit être ça. J'imagine que le fait qu'on soit en test fait que en fait, tous les tirs sont plus rapides. Pourquoi pas. Donc voilà pour ce qui est de ces tirs-là, d'accord.
Imaginons que je vais y passer à ça, et pour les besoins d'un test, chers amis, je vais passer en single player. On va aller voir ce que ça va donner en single player. Ce sera peut-être moins créatif en fait en mode single player. On va bien voir, on va bien voir. Je suis curieux. Je suis très très curieux, chers amis, là pour le coup. Ok. Je suis content, ça rend bien les cheveux derrière. Donc on a toujours cette espèce de... D'accord. J'ai l'impression que les comment les... Ok. Il est solide, hein. Pour un bot. Hop. Voilà. D'accord. Donc là, imaginons que je veux toucher celui-là. Ok, donc il y a un système d'énergie en fait à l'armement. Donc c'est ce que j'avais cru comprendre. En fait, tous les armements ont la même énergie maintenant, enfin dépensent une énergie différente, mais ont une énergie, une façon de faire en fait, c'est tirer autant qu'ils peuvent tant qu'il y a de l'énergie dans le robot. Ok, pourquoi pas, c'est pas bête, ça me plaît. Ok, je suis preneur. Je veux bien, chers amis, j'accepte. Ok, donc voilà pour ce qui est des lance-roquettes, donc pas de changement véritable dans le lance-roquette. J'aimerais reprendre le snipe. J'aimerais reprendre le snipe. Oui, c'est pas pour les crédits que je le fais, hein, chers amis, hein, autant vous le dire. J'aimerais reprendre le snipe. Il paraît que les dégâts du snipe ont été modifiés. Le type de dégâts des snipes ont été modifiés. Ce sont des dégâts drill maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, ils creusent dans l'adversaire, ils font des trous. Ça peut être intéressant. Je suis désolé, je me suis pété une dent ce matin. Enfin, hier soir, avant-hier soir. Et du coup, depuis ce matin, j'arrête pas de me tripoter. La dent. Ah oui, effectivement, il y a un temps de... Ah, c'est un vrai snipe, là. Là, c'est un vrai snipe, chers amis, cool. Et donc là, un ennemi qui tourne prendra des dégâts encore plus importants. D'accord, excellent. Qu'est-ce que... Bah non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, et du coup ça rend le snipe beaucoup plus complexe à manier au niveau du... Enfin surtout quand on a pris l'habitude en fait. Un nouveau jeu on n'aura pas ce problème là. Ok. Ok. Ah j'aurais aimé que ça touche les deux armes pour le coup. Bon bah de toute façon là le problème est résolu. Ok. Je suis curieux de voir aussi au niveau du comment du... Hop, d'accord. Ok, ça fait beaucoup de dégâts. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Si ça faisait vraiment des dégâts sur les... Oh bonjour. Ok. Salut l'ami. D'accord, vous voyez qu'on fait beaucoup moins de... Avec deux canons par contre je peux tirer pratiquement en illimité. C'est bon à savoir. Il vient tanker sur son pote par contre lui. Ce qui est assez gênant. Ok. Mais bon, sur le principe, ok, pourquoi pas. Par contre, de là à dire que le choix des SMG, c'est pratique, je sais pas. Ça, faudra revoir le moment venu. Faudra revoir le moment venu. Sur ce vaisseau, sur ce robot plutôt. On va plutôt l'appeler comme il est, hein, un robot. Je ne peux pas beaucoup rajouter de... d'armement. Peut-être le seul véritable problème de ce robot, c'est qu'il lui manque peut-être une ou deux tourelles. On va voir, on va essayer, chers amis. On va essayer...
d'y placer des choses un peu plus. Ouais, attendez, ça coûte combien une tourelle? Parce que je détruis des choses et j'aurais dû regarder avant. C'est puis l'autre, 26 flops. Attendez, on est bien sur le dernier niveau, on est d'accord, hein. Ah la vache, 26 flops. Oh, je suis sur le cul, là, je suis sur le cul, là. 26 flops, c'est tout. Ok, bon, bah pourquoi pas, bah on va écouter, on va en placer deux. Minimum 2, hein. Hop. Ok. Non, c'est ça que je voulais. Moi, c'est le petit cube, là. Voilà, merci. Hop. Ici, comment je peux faire? Hop. Hop. Ok. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. Et donc là, normalement, si je veux rajouter... Oups, pardon, je me trompe de... Excusez-moi, je me trompe de menu. Je trouve que le menu, du coup, est beaucoup moins simple d'accessibilité, entre guillemets, on va dire. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Elle n'engage que moi. Là, je touche. Ok, donc si je peux peut-être... Hop. Hop. Que par exemple, je peux rajouter un truc comme ça, c'est pas grave. Hein. C'est là, le style ne compte plus, chers amis, ou presque, hein, en tout cas. Ok. L'objectif, c'est de rajouter deux tourelles. Hop. En deux. Histoire de pouvoir le défendre le moment venu. Peut-être même deux autres. Je peux pas, pourquoi? Qu'est-ce qui m'en empêche? D'accord, ce qui m'en empêche donc c'est ces canons. Pourquoi pas? Je veux bien accepter que ça m'en empêche. Heureusement. Ah, je pensais que ce serait suffisant. Honnêtement, je pensais que ce serait suffisant. Hop. Ah, ça bloque carrément les canons devant, quoi. Hein, c'est... C'est violent. Hop. Et si je les passe comme ça, ils gênent toujours plus bas. C'est bizarre. Hop. J'ai pu avoir suffisamment de cubes. Mais vous inquiétez pas. Je vais gérer ça. Vous inquiétez pas. Faut juste que j'arrive à les placer les deux. Ça veut pas. Hein. C'est marrant ça. Enfin bon, c'est moche là. En plus d'être... pas fonctionnel, c'est moche là pour le coup. Si tout simplement je faisais... Hop, et que je plaçais les deux autres, ce serait possible ça ou pas? Ça pourrait. Ah! Ah ah! Qu'on puisse être efficace quelle que soit la distance, chers amis, c'est ça qui est important. Juste pour voir, si j'enlève celle-ci, je gagne quelques points. J'ai pas suffisamment de points pour... D'accord. D'accord, d'accord. Je suis en train de réfléchir, chers amis. Hein. Est-ce qu'il y a... Bon, je pourrais enlever les cheveux. Ça me fait chier de les enlever, à vrai dire. Hein. Honnêtement, ça me fait vraiment chier. Mais c'est comme ça. Et j'ai toujours pas ce qu'il faut. Là, je suis à 24 points. Il faudrait enlever un cube pour pouvoir en mettre un. Un seul, chers amis. Ce qui là non plus, je l'avoue, ne me plaît pas.
Y a pas grand chose qui me plaise d'un seul coup, c'est marrant. Bon, Scublet est cosmétique. Je peux l'enlever. Et bah vous savez quoi, je vais rajouter un canon pénis. Hein. Hop. Le canon pénis. Oh! Pourquoi? Pourquoi il passe pas? Ah, il coûte 26 flops! 26 et j'ai compté 25! Quel abruti! Tiens! Le cube cosmétique était là! Hop! Merci! J'ai donc un canon pénis, chers amis. Ça y est, je l'ai. Bon! Eh bien écoutez, on va partir en battle arena. On va bien voir s'il y a une grosse. Ah non, attendez! Avant, je viens de voir l'aigle, c'est pour ça que j'y pense. J'ai envie d'aller tester celui-ci. Si possible en single player, on va aller voir. Il paraît qu'il y a une grosse différence de gameplay. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse, chers amis. Il paraît. Je vous le dis tout de suite. Il paraît. Que. Maintenant. Voilà. On tire soit qu'une. Regardez ça. Voilà. Ce qui peut faire assez mal, hein. Soit. Ah, je pensais que ça ferait une charge. Alors attendez, j'ai envie de voir si c'est bien ça. Faut attendre que ça recharge complètement. Voilà, ça a rechargé complètement. Ah d'accord, j'aurais pensé que ça. Ah c'est marrant, j'aurais. Moi, de ce que j'en avais lu, en fait, c'était une charge complète. Comment dire? C'était une charge d'un tir et un canon qui ferait beaucoup plus de dégâts, en fait. Ok, bon, bah en tout cas, il a l'air sympa, cet armement. Par contre, ça va complètement à l'encontre de ce qu'il était censé être à la base, hein, c'est-à-dire un gros tir qui... Enfin, c'est complètement opposé à ce qu'il était avant, même. C'est même pas à la base, c'est à ce qu'il était carrément avant. Alors est-ce que changer ce gameplay de cette manière là c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Parce que là en fait on dirait juste une méga SMG quoi. Honnêtement on dirait une méga SMG qui fait des dégâts splurt quoi. Des dégâts qui splash. Non honnêtement je suis assez déçu là. Enfin c'est bien mais je suis... Le changement est peut-être trop grand pour moi, je sais pas. Je suis un petit peu chipoteur. Je rêve ou je peux... Si je... Non, j'ai l'impression d'avoir un... Oh, pardon, je t'ai loupé. Ah, la vache! La technique du tourbillol, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est ça. Je peux tirer et ça continue à me régénérer. C'est quoi ce bordel? C'est... Hop, je vais finir par lui péter une jambe, hein. Bah c'est bon, on a déjà pété une déjà. Oh là. Allez, redresse. Parfait. Hop. Ok. Oh. Je déteste quand il se téléporte. Bon, ça fait mal quand même, hein. Mais j'ai peur que ce soit une espèce de transformation de SMG en fait, hein. Franchement... Enfin bon. D'accord. Bon, pourquoi pas. Eh ben écoutez, on va partir déjà avec le... Oui, je fais quelques crédits, tu parles. Est-ce qu'on essaye la méga SMG pour voir s'il y a une différence ou pas? Oh, allez, on y va juste pour la forme, mais c'est vraiment... Je pense pas qu'il y ait une différence, à part peut-être que ça tire des gros canons. Ah, ou peut-être par rafale. Ah bah déjà, je peux tirer soit avec les gros. Oula. D'accord. Soit avec les petits. D'accord.
C'est une façon de faire, effectivement. Ok, ça a l'air encore plus cheaté d'avoir une SMG qu'avant. La technique du tourbillol qui marche quand même énormément bien. Par contre, je vous rassure, aucun véritable joueur ne vous touchera s'il fait ces techniques. Tu ne me toucheras pas. Et oui, le principe du Razmot. Regardez, je tire et je continue à grimper mes PV. Hop. Ok. Bon, pourquoi pas. Ça me semble assez efficace. Je suis curieux de voir ce que ça va donner en partie en fait. Là maintenant, faut partir en game. Là, on va partir en game, chers amis. Parce que là, je suis curieux de voir ce que ça va faire. Hop. Allez, on est parti en Battle Arena pour aller voir. On va aller voir ce que ça donne là-bas. Puis on verra bien ensuite en Team Deathmatch ce que ça donnera dans d'autres épisodes. On verra. Ouais, je suis mitigé. Je suis curieux de enfin, franchement, je suis curieux de savoir ce que ça va donner dans la partie, quoi. Parce que franchement, hormis la portée des commandes des bombers là, j'ai un gros doute sur leur. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont devenus des shotguns automatiques en fait. J'ai peur que ce soit ça maintenant. Que quand vous arriviez en fait devant un ennemi, ce sera BRAM. Voilà. C'est à voir, ça peut être une très très bonne façon de faire. Hein. What the... Y'a même une petite musique ou c'est moi? Ok, pourquoi pas. Eh oui, c'est bête hein. Vous voyez celui-là, il vient de se rendre compte que ses lames ne se déployaient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas activé l'armement. Et oui, les lames maintenant ne sont plus utilisables de manière. Et c'est cool, regardez. Pop. Pop. Bref. L'emploi du canon pénis est fonctionnel, chers amis, en tout cas. Tout est là. C'est bon. Bien fait de le conserver. Hop, parfait. Oh là. Hop. Je m'attends cependant à trouver quelques ennemis volants avec des armements assez badass. Soyons honnêtes. Oh la vache. Par contre, c'est stylé à voir. Hein. Peut-être sur ça qu'ils auraient dû faire un overhaul sur les graphismes du jeu. D'accord, il y en a là-bas. Je peux couper mes lumières et les allumer, vous voyez. Hein. Ok, c'est marrant, on voit pas les ennemis. D'accord. Alors, approchons-nous en douceur. Hop.
Ok, c'est parti. Hop. Bien joué, merci l'ami. Hop. Même si c'est très bizarre, je dois le reconnaître que c'est très très bizarre. On a plus du tout l'impression de jouer au même jeu en fait. C'est vraiment violent. Regardez, y'en a un qui va arriver bêtement. Hop. Y'en a bien un qui va arriver bêtement. Hop les. Ok. C'est fait. Hop les, ça c'est fait. Ah oui c'est vrai, maintenant ils font... Bah alors ? Alors maintenant c'est des SMG skill ? Alors ça donne quoi les SMG skill ? Ok c'est parti. Ok, là ils sont nombreux par contre. Ok. Ok, merci l'ami. Merci les mecs, c'est vraiment sympa de venir me sauver la peau. C'est parti pour la régène. On y retourne. Ok, excuse-moi l'ami, je t'ai bloqué. Franchement, excuse-moi. Excuse-moi, je te l'ai mal. Oui, j'avoue que là j'ai fait une connerie. Dégage. Aïe. Aïe. Ok, mais on est vivant. Pas pour longtemps, mais on est vivant. Je sais pas ce qu'il veut faire, lui il me court dessus. Ok, pourquoi pas. Ok. Ok. Ok, non, tu ne décolleras pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Première mort, chers amis.
Au moins ils sont focus sur moi, c'est pas grave. Je n'ai aucun regret. Je n'ai absolument aucun regret, chers amis. En plus, ce robot est vraiment efficace. Même avec les SMG, d'ailleurs, il est même encore plus efficace. Donc c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Peut-être falloir que je ferme un peu plus le jeu pour que vous ayez accès à ce robot. Franchement, je suis en train d'y penser. J'enlèverai juste la coque à l'avant, vous pourrez le réadapter au moment venu. Mais ouais, je pense que je vais faire comme ça. Honnêtement, je pense que je vais faire comme ça. Et j'ai hâte d'avoir le blink. Le blink ou le bouclier. Peut-être que le bouclier sera largement mieux. Hein. De toute façon, on pourra pas l'améliorer des masses, soyons honnêtes. Oh! Hop. Et oui. Maintenant faut des skills pour utiliser une SMG. Mais le problème de ce côté là, c'est que j'en ai pas besoin moi de skills. J'ai déjà. Voilà. Ça fait mal? Non, putain, j'ai raté. Hop les. Et je suis encore debout, chers amis. Oh bah mince, c'est pas le même robot. Oh, oh non. Bien joué, merci. Ok. Non, c'est pas mal. Je dois reconnaître que je m'attendais à bien pire. Honnêtement, je m'attendais à bien pire. Ce qu'il faudrait, c'est limite un martyr maintenant. Restez pas dans les pattes. Il est solide son avion. Ok. Ok, c'est bon. Oui, c'est ce que j'avais dit, ça allait finir en shotgun. Hop. Ça allait finir forcément en shotgun. Pardon, excuse-moi. Ok. Toi t'es mort. Hop.
Franchement, vu la quantité de tirs que je me bouffe dans le dos. Oh, pourquoi je touche pas de là? Ok. Faut que je m'en mette dans le bon sens. Allez, oui, c'est bon, on les a eus. Wouhou! Grâce à nous, regardez, je recule sur une jambe. Génial. Bon! Je fais le moonwalk, mais qui marche pas. Bon. Alors, excellente partie. Excellent gameplay aussi, je trouve. Première fois que je trouve une mise à jour aussi positive, honnêtement. Et c'est pas parce que je gagne. Franchement, c'est pas parce que je gagne. Ça veut dire en fait qu'on a un gameplay qui a complètement évolué vers quelque chose de non linéaire, on va dire. C'est-à-dire que pendant le jeu, on peut se permettre d'utiliser notre arme, ce qui fait qu'on est beaucoup plus polyvalent, ce qui permet déjà à des combats, vous avez pu voir, des combats beaucoup plus stratégiques, on était à 3 contre 3 par moment. Donc ça c'est génial. Des snipers qui restent en fond, d'autres qui restent, enfin vous avez bien vu d'autres véhicules qui restent eux par contre beaucoup plus à l'avant, beaucoup plus frontaliers. Je trouve que ça a rendu le jeu beaucoup plus stratégique, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai vu que certains disaient que c'était le cancer du jeu, je suis pas du tout d'accord. Pas du tout. Absolument pas. Franchement absolument pas. Je pense qu'on va avoir très rapidement des robots extrêmement stratégiques, on va dire, prochainement. Là, franchement, je suis sur le cul. C'est-à-dire que pendant tous les épisodes, habituellement, je me dis, voilà, si j'avais autre chose que le sniper, j'aurais pu. Bah là, par exemple, j'avais les deux armements et ça me suffisait. Pas besoin d'avoir les 5, à mon avis, mais 2, c'était largement suffisant. Honnêtement, je suis sur le cul. Maintenant, je vais aller voir une chose, une dernière chose, chers amis, on va dire. Combien que ça prend de flops ? 300 flops chacun. Voilà. Ça va être là le véritable problème. C'est que. Voilà. Voilà. Actuellement, là, on pourra pas utiliser un blink par exemple dessus. Mais en tout cas, je pense que je reverrai très prochainement ce vaisseau. Pour qu'il soit beaucoup plus. Apte. À buter des gens. Ouais, là il y a quelque chose, chers amis. On tient quelque chose, comme on dit, hein. On tient quelque chose. Ouais. Là ça me plaît, franchement ça me plaît. C'est pas souvent que je le dis, mais là. Là je suis sur le cul. Ok. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playhome, dans votre lien dans la barre de la chaîne. Je suis désolé, vous n'aurez pas cet épisode donc le jour de la sortie de la mise à jour, pardon. Simplement par principe, c'est que là à l'heure actuelle, on est le jour en question. Et il est 4h10 à l'heure actuelle, ce qui fait que le temps que je le monte, que je l'upload, il sera à peu près minuit. Donc vous l'aurez le jour où il y aura donc pas le lendemain. Donc vous l'aurez pas le mardi, vous l'aurez normalement le jeudi cet épisode. Mais aujourd'hui, en tant que mardi et dernier jour avec l'ancienne mise à jour, je vais vous mettre les autres épisodes qui me restaient. Donc je crois que ça va être celui-là, ça va être le 151ème. Je vais vous mettre tout jusqu'au 150, tout ce que j'avais jusqu'au 150 aujourd'hui. Donc voilà, allez, salut les gens, moi je vous retrouve plus tard pour un autre épisode de Robocraft. Salut. Hop, et hop, j'ai tellement de fois salut dans cet épisode.